Привет et dobro paja lavat sur la chaîne Will Mastro Reaction. On se retrouve pour cette deuxième vidéo des meilleures de la semaine dernière et nous allons nous diriger vers notre ami Shaman. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, à tout de suite. Comme je vous le disais avant le générique, nous allons nous diriger vers Shaman et on m'a proposé pas mal de titres, mais j'ai envie de rester sur l'état d'esprit du titre de la semaine dernière. Donc, il va nous faire une cover d'un titre qu'on a déjà vu repris par Maxime Fadev et Grigory Leps. C'était Arli Ilivorane. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Shaman, n'hésitez pas à aller en haut à droite, il va y avoir une petite fiche avec la playlist de tous les titres sur la chaîne. Et si jamais c'est bloqué, bon, ce qui m'étonnerait parce que l'autre n'a pas été bloqué, donc celle-là, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Descendez dans la description. Le premier lien dans la description, c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Donc n'hésitez pas à y aller en cas où. Sinon, ben, je vais vous souhaiter une très belle écoute. Donc après, je vais encore avoir dans les commentaires, mais je préfère, oui, comme je vous le dis tout le temps, c'est une question de goût, de sensibilité musicale. Il y en a qui vont préférer celle-là que celle-là, voilà, mais c'est pas pour ça que celui-là sera meilleur. Voilà, c'est simplement un truc personnel, voilà, comme je l'ai déjà dit. Donc bonne écoute à vous et on est parti avec Shaman, avec Arli Ilivorane. Чего не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье не за горами, оно там, где хотят. Зачем же мы потерялись среди историй ненужных? Надежды не оправдались, никто не виноват. По дороге одной. Жизни ни разу, кто первый остановился, когда его несет, ломали нетерпеливо, в упор не слушая разум, хотели, чтоб вы красиво. Кто мы с тобой?
Quel talent ce chaman, quel talent. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, hein. Mettez un pouce si vous avez apprécié, moi j'ai beaucoup apprécié. Alors après, je ne compare pas, hein. C'était un duo sur lequel on l'avait entendu, là il chante tout seul et franchement il se débrouille vraiment, enfin débrouille, je n'ai pas utilisé le mot débrouille, hein. Il est vraiment très fort, il est vraiment très fort vocalement, il est très bon. Il joue avec le public, mais qui n'est pas forcément... On m'a dit que c'était un bar, mais je n'ai pas l'impression que ça soit un bar. J'ai vraiment l'impression que ça soit un truc de... vous savez, où il y a des trucs de lecture ou des trucs comme ça, voilà. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Vous me dites que c'est un bar, oui. Après, si vous me le dites, vous connaissez mieux votre pays que moi, hein. Donc forcément. Mais franchement, j'ai... beaucoup apprécié cette version de Chaman. Franchement, il est voilà, il est vraiment très bon. Voilà, c'est tout. Je vais pas pouvoir. C'est un récurrent. Voilà, il a été juste très fort sur cette chanson. On ira sur d'autres plus tard sur Chaman. Vraiment sur des trucs plus à lui. Voilà, parce que là, c'est les deux qu'on a vus, c'est des covers. La dernière, c'était Kukushka. Et là, c'est Arli Ilivorani. Voilà, donc, c'était plutôt pas mal. Je connaissais ça dans la chanson. Je connaissais ça, c'était plutôt cool. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé. Hein. Les trois quarts du temps, je réponds à tout le monde. Si je ne réponds pas, c'est rare. C'est rare que je ne réponde pas. Alors, il y a des fois, je développe. Il y a des fois... je ne développe pas. Voilà. Donc, on se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos qui ne se dirigeront pas sur la Russie parce que cette fin de semaine a été vraiment très axée russe. Voilà. Donc, on va se diriger demain vers d'autres contrées, on va dire. Donc, on se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de tous vos proches. Prenez soin de... tous ceux que vous pouvez aimer, et on se retrouve demain. Merci aux plus de 23 000 personnes qui me suivent, c'est franchement juste énorme. Allez, à demain.